Bon. Oh non! Mais comment ce chewing-gum est-il arrivé sur cette chaise? Oh, je dois vite arranger ça. Il me faut d'abord de la glace pour faire durcir le chewing-gum. Sors de là, toi! Oh. Je frotte un glaçon sur toute la surface du chewing-gum. Comme ça. Voilà. Non, je mets le jean dans un sac plastique. Et je mets le tout directement dans le congélateur. On verra si ça a marché à la fin de la vidéo. Voyons voir. Où est-ce que j'ai laissé mon chewing-gum? Oh, mauvaise direction! Stop, Sam, il faut qu'on parle! J'ai pas le temps! Je peux tout expliquer! Mon jean m'a déjà tout expliqué! Je me promenais tranquillement et j'ai juste perdu un chewing-gum! Donc tu veux dire qu'il n'a pas été mâché? Eh bien, Fluffy l'a peut-être mâché un peu, mais j'ai trouvé comment éviter que ça ne recommence! J'ai commandé un kit super génial pour faire un chewing-gum géant! Et tu crois sans doute que je vais t'aider? Bien sûr! Car je ne pourrai jamais perdre un chewing-gum aussi gros. Et toi, tu ne risqueras pas de t'asseoir dessus. Donc ça veut dire que tu m'offres ce kit. Vois ça comme un dédommagement moral. Les amis, si vous êtes d'accord avec moi, donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Waouh! Il y a beaucoup d'ingrédients ici. Sirop de maïs, sucre glace, billes de gomme, parfum. Allez, au travail! Ok, j'ai besoin de ce bol. Tout d'abord, j'ajoute 2 cuillères à soupe de billes de gomme. Et je verse de l'eau par-dessus. Sam, fais attention! Tout est sous contrôle! Il faut ensuite mélanger et attendre que l'eau soit absorbée. Pause musicale! Tu es douée! Merci! Les amis, si vous voulez encore plus de musique, écrivez quelles sont vos chansons préférées dans les commentaires! Et je danserai dessus dans la prochaine vidéo! Et notre base est prête! Maintenant, nous pouvons verser le reste de l'eau! On peut même écraser les billes. Et on fait une sorte de pâte. Écrase plus fort, Su! Écrase-la! Maintenant, il est temps d'ajouter le sirop de maïs. Mettons-en 2 cuillères. Oh, c'est super! Pâteux et collant! Comme du slime. Continue à pétrir. Reste concentré. C'est super difficile à mélanger avec la cuillère. Mais j'ai réussi. Su, ça ne donne pas du tout envie. Ajoute au moins un peu de colorant. D'accord, Sam. Choisis! Je pense que je vais prendre le bleu. Ajoutons-en quelques gouttes à notre pâte. Et on mélange. Non, vraiment, la cuillère ne sert plus à rien, là. Su, laisse-moi t'aider. Oh ah. Bien, voici notre base. Maintenant, nous devons ajouter une saveur. Quel choix avons-nous? Pastèque, myrtille et menthe. Myrtille, bien sûr. Le chewing-gum est bleu. Vendu. Ça sent si fort qu'on dirait qu'un camion rempli de myrtilles s'est vidé dans la pièce. Est-ce que c'est prêt? Presque. Il ne manque plus que le sucre glace. Oh, on dirait de la neige. N'en fais pas trop, Su. Ça me rappelle quelque chose. Oh, mais oui! Ça ressemble à la fois où on a fait du slime magique. Vous vous rappelez, les amis, quand on a déballé le kit Poupsy? Et voilà, c'est prêt. Je vais conditionner ce chewing-gum pour plus tard, donc je vais le couper en morceaux. Les amis, si comme moi vous aimez les chewing-gums, écrivez quel est votre parfum préféré dans les commentaires. Oui, oui, moi j'adore le chewing-gum goût banane. Et vous? Je vais mettre ces chewing-gums dans une boîte pour les transporter. Ces boules ressemblent vraiment aux chewing-gums du commerce. Oh, j'allais oublier de le goûter. Offrirez-vous un petit morceau de chewing-gum à un pauvre petit slime? Oh, j'ai complètement oublié mon jean dans le congélateur. Moi aussi, je veux goûter ce chewing-gum!
J'espère que le chewing-gum va se décoller. Voyons voir. Ça s'enlève, mais pas si facilement. Et maintenant, mon jean est comme neuf! Ça ne servait à rien de t'énerver, tu vois. Bon, allons jouer! C'est génial! Oh. Sympa! Les amis, si vous avez aimé notre chewing-gum, donnez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche! Oui, et n'oubliez pas votre chewing-gum sur une chaise. À bientôt !